Si nous t'attendons déclaration le co-désir dans le matin débat, en plus, le monde pourrait poser tête aux questions. Est-ce que effectivement vrai, président Jovenel a dirigé pour col ou encore est-ce que gagné yon ange Jean-Luc Kodia, yon l'autre président à part entière cap dirigé dans le palais national et qui incarné dans tête Jovenel Moïse. En plus, le monde pourrait songer dans le temps passé. Duvalier père te gagné yon loi yon dit qui te kon marché avec lui. Papa Doc te toujours scellé pa mettre au goût. Eh bien, jodi a la, c'est l'autre déclaration. Lou ko désir, Jovenel Moïse, pap dirige pou kol, li gagné yon l'autre président kap marché ak li. Et c'est ça qui cause tout opposition. Pap Kamanyel li consacré res fe mandat ak pep ayisyen kote l décide délivrer marchandise la. Ouais, pas ouais, opposition, pap ka touche l, an yé pap ka fait. Gwa déclaration fait, journée jodi a la, zami auditeur, map kite nous suivre, comment ça y est, ak dernier détail qui sorti journée jodi a, sous président Jovenel Moïse, parole la palé, mystiquement parlant, Jovenel genye yon gros bras droit ensemble avec lui, qui se des esprits kap dirige avec lui, nan palais national, et sa cause tout laisser frapper, tout sa kap dit, tout sa kap fait, li rete ten face sous pouvoir, et li prêt pour aller jusqu'à élection, faire référendum, pourquoi pas, pour mettre yon l'autre président kap vini en 2022. Si nous ta kwe, on a écouté yon l'autre fois encore équipe matin débat. Nous quoi désir qui baille tout détail, qui sa kap dirige ak président Jovenel Moïse, c'est pas seulement Jovenel qui n'a pas le national, mais pourtant gagne yon l'autre président invisible qui toujours communique avec le président Jovenel pour permettre yon l'autre Haïti possible. Sauf TV 83, nous pas fait nouvelle, nous juste porter information pour ça, nous en janvier, on a suivre plus de détails, nous codési à l'appareil. Pays ça que nous relè Haïti. Madame, monsieur, vous êtes à l'émission Matin Débat. Je ne sais pas pourquoi ça c'est moi, je ne sais pas qu'on est. Mais nous, Haïti, que nous sommes les Haïtiens. Haïti, il y a un président. Haïti, il y a un roi. Et le président que nous avons parlé, ce n'est pas lui-même qui est président. Battez du cloche. Aïe, aïe, aïe. Madame, monsieur, vous êtes à l'émission de débat. Je vais vous inviter pour nous. Haïti comme président. Haïti comme roi. Et président, ça que nous, on a parlé avec les journalistes, on a parlé président. Tout bagay est passé par moi, ça. Tout bagay est passé par le président. Ça. Pendant mon asile là, j'ai placé un appel. J'ai appelé quelqu'un. Et m'espère que matin, tout pendant notre émission, matin débat, si nous avons fait recherche par nous, fait, et la question de ce matin, est-ce que il y a une mythologie haïtienne comme dans le temps on parlait de la mythologie grecque? Madame, monsieur, nous avons une dimension là, m'espérer que nous prenons une dimension à même. Est-ce que est-ce qu'on mythologie haïtienne? Comme émission matin débat, nous pas jamais parler parole que nous pas connaît. Nous pas jamais dit ça, nous pas connaît qui rapport pays. Et d'ailleurs que des paroles tout, c'est sous table ça seulement qu'on attendait. Mais j'espère que nous-mêmes, capteurs d'émission à la débat, qui Montréal, les grands intellectuels de ce pays, les savés, les gens qui ont fait recherche sur le pays, nous avons communiqué avec nous, nous avons téléphoné. Est-ce qu'il y a une mythologie haïtienne qui existait, même Jean de Le Temps, on parlait de la mythologie grecque. Ben, ok. Notre éditorial pour ce lundi, 8 mars 2021, madame, monsieur. Un reste de mandat victorieux pour Jovenel Moïse. Accompagné de sa femme, la première dame de la République, Madame Martine Moïse, et de son ministre des Travaux publics, Transports et Communications, M. Nader Joaceus, le chef de l'État, a visité le samedi 6 mars 2021 la deuxième ville du pays. Le président de la République est confiant qu'il réalisera des exploits durant les 10 mois et 29 jours qui, selon lui, il passera au pouvoir pour achever glorieusement son quinquennat. Une fin de mandat très prometteuse, selon M. Jovenel Moïse. Son petit reste de mandat est consacré, entre autres, à l'électrification du pays, au barrage hydroélectrique de Marion, aux travaux du barrage de la Tannerie et
à la réhabilitation de la centrale électrique à Sainte-Philomène. Son petit reste de mandat est aussi dédié à l'élaboration de la nouvelle constitution et à l'organisation des élections. Ce naïf de Trou du Nord n'entend pas laisser un seul trou vide où pourrait se faufiler le président provisoire désigné par une tranche de l'opposition, Maître Joseph Messin Jean-Louis. Monsieur Jovenel Moïse veut organiser des élections coûte que coûte. Il tient à son chronogramme qui comprend une liste d'activités avec des dates de début et de fin. En ce sens, la transition qu'attend l'opposition haïtienne n'aura pas lieu, semble-t-il. Quel est aujourd'hui le plan ou le projet des opposants au pouvoir? Quel est leur chronogramme d'activités pour aboutir au renversement de M. Jovenel Moïse? Aujourd'hui, plus que jamais, l'opposition haïtienne doit réinventer ses stratégies pour lutter contre la dictature qu'elle dénonce. Il n'y a pas d'opposants sans responsabilité. Que peuvent-ils opposer? Ils ne peuvent proposer entre-temps que des manifestations de rue pacifique. Le chef de l'État dit ne pas accepter la violence sous peine d'arrestation. Les bandits armés ainsi que leurs bras financiers seront arrêtés, menace le président de la République. M. Jovenel Moïse croit aller de victoire en victoire. Il dit mener son peuple à la conquête du petit reste, mais face au vide institutionnel, l'opposition ne doit-elle pas se montrer plus vigilante vis-à-vis de ce conquérant en fin de règne, Robinson d'Haïti, notre éditorialiste, donc pour l'éditorial de ce lundi 8 mars 2021. Nous allons faire contact avec Robinson d'Haïti pour les commentaires donc, qui ont rapport avec l'éditorial, madame, monsieur, donc pour ce lundi 8 mars 2021. Pas oublier, le numéro de téléphone de Robinson d'Haïti, c'est 31 55 43 25. Si vous souhaitez, donc continuez, faites commentaire, débat avec Convention d'Haïti sur les différents éditoriaux donc, de l'émission Matin Débat, et bien, donc, qui sortit sur la plume de M. Robinson d'Haïti. Contact avec Robinson d'Haïti. M. d'Haïti, bonjour, bienvenue à l'émission Matin Débat, comment vous êtes? Bonjour Matin Débat, bonjour Loco Désir, Pierre Martin à toutes, Esaïe César, José Lexidor, et je salue également mon très cher ami. Le docteur Sylvestre Ulrich Francillon, et m'a dit tout bon combat à toutes les femmes et particulièrement à Magali Habitant. Hein. Ok. Un reste de mandat victorieux pour Jovenel Moïse, ça sous-entend quoi? Bon, un reste de mandat victorieux parce que l'agenda président s'est chargé. Je ne veux pas dire, il y a un pour le faire. Et les gens bagaille tout parce que l'on dit on reste mandat parce que c'est pas nous-mêmes qui disent, c'est Jovenel Moïse qui dit on tire ce mandat que le gagne, et il dit tirer ça pour le peuple là. Et son président normalement qui suppose passer 5 ans, parce que le mandat d'un président de la République est de 5 ans, qu'il finit 7 février 2021 ou bien 7 février 2022, c'est 5 ans et mandat président de toute manière. Donc on dirait qu'il passait toutes 4 années et avant eux. Et à retirer du reste que peut-être, possiblement, on t'a prendre dans le même peuple-là, et puis je vais dire ça dans le même, et que je les bails du reste-là à peuple, à la population, et que, bon, son reste de mandat, et selon Jovenel Moïse, qui est très victorieux, parce qu'il dans pile victoire, il parlait de victoire en victoire, je nous dis, et dans l'éditorial. Alors, il faut remarquer aussi le désir que, pendant ces derniers temps, Jovenel Moïse fait plusieurs déplacements. Plusieurs déplacements et dans tous les discours qu'il gagne à chaque côté d'aller, surtout dans les villes de province, et pas tant à Port-au-Prince évidemment, mais surtout dans les villes de province, et où elle a parlé de mandal. De mandal lent qui t'a supposé fini en 2022. Donc, son façon pour lui dire qu'il n'a pas gagné intention d'être sous pouvoir au-delà de 2022. Donc, c'est extrêmement important pour nous souligner ça. Marseille-Dil, tout le côté, et lui parle pour l'aller, même mon baquet de paradis qu'il faut faire. Et que le compte est fait, il parle en 2022. Donc, de toute manière, il rend compte que le pays, ce n'est pas seulement Haïtien qui porte aux pensions, mais c'est tout Haïtien qui, en dehors de Port-au-Prince, mais aussi en dehors du pays. Voilà. OK. Mais notre texte a tout parlé, justement, donc, du président, et selon lui-même, l'opposition n'a pas proposé rien.
L'opposition propose que le président parte le 7 février 2021, mais il se trouve que Jovenel Moïse est toujours là. Donc si Jovenel Moïse est toujours là, je pense que l'opposition proposait autre chose pour le renversement de M. Jovenel Moïse. Mmh. Parce que pas qu'il est là, la gagne. Oui, mais c'est Moïse. Autre chose, Saldanoué. Comment? Autre chose, Saldanoué. Bon, autre chose, c'est-à-dire peut-être dialogue qui paraît être possible jeudi hein, et puis possiblement joindre des stratégies, n'importe quelle stratégie, on connaît. Songez que, par exemple, le 6-7 février de 2018, par exemple, c'est un grand soulèvement populaire qui était mis vraiment Jovenel Moïse en danger. Mais il se trouve que l'opposition n'a pas vraiment de rapport ça à la population pour lui. Et voilà. À est-ce que tout, en fait, ces sorties du président de la République, c'est pas une démonstration pour montrer que face à l'opposition qui a fait manifestation, donc de rue, lui-même tout, il est capable, en fait, de mettre les gens dehors dans la rue. Bon, forme pour même si c'est de façon, même si c'est de façon improvisée. Sortir c'est mauvais certain, surtout. C'est certain. Parce que c'est une démonstration de foule. Je ne sais pas de ça dans un éditorial, évidemment. C'est une démonstration de foule. Le président de la République capable de réunir en foule, contrairement à Mécène, et le juge Mécène, Joseph Mécène-Zavu, qui jusqu'à présent, pour que les gens présentent devant en foule, pour la arranger foule là, disant, le président Jovenel Moïse Tefel, samedi 6 mars 2021. Mm-hmm. Donc, on dynamique comme ça, montrer que nous avons foule, montrer que nous avons peuple là, ma parole avec, etc. C'est exactement ça que Jovenel Moïse appelle là, je vais vous dire. Eh bien. Monsieur Jovenel Moïse veut organiser les élections coûte que coûte. Il tient à son chronogramme qui comprend une liste d'activités avec des dates de début et de fin. En ce sens, la transition qu'attend l'opposition haïtienne n'aura pas lieu, semble-t-il. Quel est donc aujourd'hui le plan ou le projet des opposants au pouvoir? Quel est leur chronogramme d'activités pour aboutir au renversement de Monsieur Jovenel Moïse? On va essayer donc font comparaison là. Ouais, justement, parce que si reste mandat Jovenel Moïse du retire, c'est-à-dire pour finir 7 février 2022, la première question, c'est qu'on a une quantité de bagailles pour le faire. Par exemple, il y a pour électrifier le pays, il y a un barrage Marion, il y a un barrage Latanerie, il y a une réhabilitation de la centrale électrique sur de 7 km, parce que c'est dans le quartier 7 km, non? Même que le pays, côté de la centrale électrique, c'est le vrai réhabiliter, évidemment. Mais si reste pendant la tour dédiée à la constitution, à l'élaboration d'une nouvelle constitution, mais aussi à l'organisation des élections. On ne peut pas oublier Fabien Louko et Jovenel Moïse, c'est une façon de parler, évidemment, le président de la République, Jovenel Moïse, c'est Trou du Nord. Donc c'est Nègre Trou du Nord qui va quitter tout vide, hein, il va quitter tout vide pour mettre Joseph Mécène et Jean-Louis, qui me faufile l'école, j'en ai dit dans l'éditorial. Extrêmement important pour nous signaler dans le matin débat que Jovenel Moïse décide dans tout ça pour le faire pendant ce qui reste pendant l'an que l'a organisé des élections. Allez-y. Organiser des élections, c'est-à-dire la transition n'aura pas lieu. Bien, bien. Contrairement à ce qu'attend l'opposition. L'opposition attend une transition. Mais si Jovenel Moïse dit décider, entre autres, toute bagaille que l'a fait, toute bagaille qu'il voulait faire, toute bagaille annoncée que l'a fait, il dit élection l'appelle quand même. Donc la transition aura-t-elle lieu? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Eh bien, au pire des cas, à qui ça ne va pas attendre nous? Est-ce que nous va pas attendre nous à un accord politique que l'opposition va pas aller là-dedans? Ou du moins, est-ce que nous va pas attendre nous que Jovenel Moïse continue son petit bonhomme de chemin et puis j'en passe le passé? J'en dis dans l'éditorial là, Louko, il ne faut pas oublier que je dis à l'opposition haïtienne de réinventer une stratégie pour lutter. Parce que c'est très important. L'opposition haïtienne dénonce une dictature. S'il dénonce une dictature, il faut qu'il réinvente le client pour lutter contre la dictature. Parce que c'est des responsables. J'aime dire dans l'éditorial là, il n'y a pas d'opposant sans responsabilité. Si on dit qu'on a une dictature là, mais il faut que nous gourmets contre la dictature là. Maintenant, comment opposant peut prendre responsabilité pour gourmets contre la dictature là? Maintenant, est-ce qu'il va y avoir un accord? Bon, c'est tant mieux si tu as un accord. Mais quel que soit ça qui gagne là, je vous dis, il faut que nous gourmets contre la dictature. Là. Si effectivement il y a une dictature, il y a une opposition en deal. Eh bien. Avant d'aller et Robinson d'Haïti, je ne vais pas parler pour un peu le monde, toujours Québec peuple dans le fait noir. Tout le monde connaît, au passé dans le pays d'Haïti, il connaît qui ça qu'une dictature.
Est-ce que c'est pas aller trop loin? C'est pas effet trop excès les oppositions hein? Clair on est que et Jovenel Moïse sont dictateurs. Bon, par contre, ils sont excès. Cependant, et la définition même que Obaï et dictature là, il y a un élément qui est extrêmement important. C'est la concentration des pouvoirs. Je ne dis pas qu'on est bien, on va gagner le pouvoir législatif. Ouais, c'est clair. Okay. On connaît bien, on va gagner le pouvoir judiciaire. On connaît Jean-Baptiste Lajeunesse. C'est-à-dire que bon concentration. Pas même des trois pouvoirs, non, frère. Le seul pouvoir qui t'a peut-être. Ah, nous sommes route très dangereuse. C'est l'exécutif. Le seul pouvoir qui t'a peut-être existé, c'est l'exécutif. Et m'a demandé si l'exécutif-là existe. Est-ce que ce n'est pas Jovenel? Est-ce que ce n'est pas incarné même lui-même exécutif? Est-ce que ce n'est pas seulement Jovenel qui existait? C'est-à-dire que je ne connais pas si Jovenel Moïse en son dictateur, pas qu'on est. Mais là, définit dictature, frère, il parlait de concentration des pouvoirs. Eh bien. Merci en pile, donc, merci en pile, monsieur Robinson d'Haïti.